Pierre Mendès France est mort ce matin. La France vient de perdre un des plus grands de ses fils, a déclaré le chef de l'État. Assemblée nationale, les députés examinent le projet de réforme de la sécurité sociale. L'affaire du Corral, les trois responsables du centre pour enfants handicapés qui auraient été entraînés dans des balais bleus, inculpés et écroués. Explosion d'un silo de grains à Metz, au moins trois morts, plusieurs blessés. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. J'en exposerai demain le contenu à l'Assemblée nationale. Dès maintenant, vous en connaissez les clauses essentielles. Il en est qui sont cruelles. Mais nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas, dans des situations souvent tragiques, d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Madame, Monsieur, bonsoir. La rigueur, la rectitude, la passion contenue, la fermeté dans ses convictions, dans cette voix que vous venez d'entendre, celle d'un homme de 47 ans, alors au fait du pouvoir, qui vient d'annoncer à la radio aux Français la paix en Indochine, dans cette voix vibre la personnalité d'un homme, Pierre Mendès France, qui n'aura jamais exercé le pouvoir que 7 mois et qui pourtant aura marqué son temps. Pierre Mendès France est mort ce matin à l'âge de 75 ans en son domicile parisien. Il est mort, semble-t-il, d'un arrêt cardiaque en pleine conversation téléphonique. L'image publique qui nous reste de lui, la dernière, la plus émouvante aussi, date du 21 mai dernier. Le président Mitterrand, le jour de son investiture, avait tenu à lui rendre hommage. « C'est grâce à vous que ceci a été possible », avait-il dit à cet homme, longtemps à part sur la scène politique française, qu'il dominait pourtant d'une sorte de poids moral. Le chef de l'État, dès le début de l'après-midi, a été l'un des premiers à aller s'incliner devant la dépouille mortelle de Pierre Mendès France, Jean-Michel Mercure. Pour ce dernier hommage à un ami, le président Mitterrand a expressément voulu taire ses sentiments personnels. Je veux simplement dire aux Français que la France vient de perdre l'un des plus grands de ses fils. Le moment maintenant est venu de méditer. Nous parlerons un peu plus tard. C'est un compagnon que vous avez perdu. Un compagnon, un ami, un exemple. Toute la journée, rue Collignon, se sont succédés dans le recueillement et la discrétion les proches et les amis de l'ancien président du Conseil. Parmi eux, François Loncle, qui lui a succédé comme député, Gaston Monnerville, l'ancien président du Sénat, et Jean-Pierre Bloch, président de la LICRA. Mais aussi Marcel Bleustein-Blanchet, l'un de ses compagnons de résistance. Tous ont dit leur émotion et leur surprise. Tous ont voulu témoigner de son exemple de rigueur et de volonté mis au service de la France. Comme il est de règle, parfois en politique, c'est dans la mort que les louanges vont faire l'unanimité autour de Pierre Mendès France. Car cet homme qui fut tour à tour en son temps le plus jeune avocat de France, le plus jeune député, le plus jeune secrétaire d'État, qui malgré la brièveté de son passage à la présidence du Conseil sous la IVe République, a marqué plus d'une génération d'hommes politiques, de hauts fonctionnaires, d'intellectuels français, cet homme politique fut aussi l'un des plus violemment critiqués et l'un des plus seuls. Georges Bortoli nous en fait le portrait. Il avait été avant-guerre le plus jeune avocat de France, le plus jeune député de France, le plus jeune membre du gouvernement Léon Blum. Il allait devenir, à 47 ans, l'un des plus jeunes présidents du Conseil de la IVe République. En 1954, le grand public connaît Pierre Mendès France, mais la classe politique ne le reconnaît pas toujours comme un des siens. Elle trouve le député de l'heure trop solitaire, trop à l'écart des partis et des hommes, trop en marge.
Cet ancien résistant, cet ancien aviateur de la France libre, a démissionné avec éclat du premier gouvernement de Gaulle. Depuis lors, depuis 9 ans, plus le moindre Marocain. Et le voici effectivement président du Conseil. Son programme, d'abord mettre fin à la guerre d'Indochine. Car la France paye alors l'aventure de Dien Bien Phu. Cette aventure de Dien Bien Phu, lancée 6 mois plus tôt avec un si bel optimisme. En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle fois l'offensive. Voici les images du coup d'audace de Dien Bien Phu, au cours duquel des milliers de parachutistes ont été largués au cœur même du dispositif Viet Minh en pays Thaï. La lutte pour la possession de la cuvette fut à la fois rapide et violente. L'ennemi dut promptement se replier sur les collines environnantes. Ce ton optimiste n'a pas duré. Bientôt, Dien Bien Phu est complètement coupé du reste du monde, hormis les parachutages et les appuis aériens. Le 7 mai 1954, ses défenseurs succombent sous le nombre et sous l'acharnement de leurs adversaires. À Paris, le gouvernement de M. Laniel tombe et c'est alors que Malaise France lui succède. Il court à Genève, où siège une conférence internationale sur l'Asie. Il n'hésite pas, nouveauté révolutionnaire pour l'époque, à engager des conversations avec le représentant de la Chine populaire, Chou Enlai. Il s'est donné 1 mois pour réussir, pour mettre fin au conflit. Les Américains ont dit dès le début qu'ils ne voulaient pas signer un document où figurait la signature des Chinois, puisqu'ils ne reconnaissaient pas la Chine. Et nous avions, naturellement, et tout le monde, avait le plus grand intérêt à ce que l'accord final engage les Américains ni plus ni moins que tous les autres. Alors on a inventé une formule diplomatique assez particulière, assez originale, qui est la suivante. Le secrétaire général de la conférence a établi un procès-verbal des points sur lesquels l'accord s'était fait. Et il en a donné lecture en séance plénière. Et puis chacune des délégations a fait une déclaration unilatérale pour faire ses observations, pour dire ce qu'il appréciait ou n'appréciait moins, mais aussi pour s'engager à ne pas briser, à ne pas mettre en cause, pas remettre en cause ce qui venait d'être proclamé. Par conséquent, les Américains, bien que n'ayant pas signé, ont pris très exactement les engagements que nous pouvions attendre d'eux, qui étaient les mêmes que nous avions pris nous-mêmes. C'est pourquoi les conventions de Genève n'ont jamais été signées par les Américains, ni par personne d'autre. Les accords de Genève sont signés le 21 juillet. Dix jours plus tard, PMF, comme on l'appelle, repart pour la Tunisie où un nouveau conflit colonial menace. À Carthage, il déclare au Bey, souverain nominal du petit État, que la France reconnaît à la Tunisie son autonomie interne, première étape vers l'indépendance. Il y aura désormais, à Carthage, une rue Malaise France. Mais à Paris, des adversaires l'attendent. Partisans de l'Empire et partisans de l'Europe, adversaires du dirigisme et du scrutin d'arrondissement, et même, parce qu'ils n'aiment pas son verre de lait, les marchands de vin et les bouilleurs de cru. Le 11 novembre 1954, célébrant l'anniversaire de l'armistice aux côtés du président René Coty, Pierre Ménès France n'est déjà plus qu'un président du Conseil en sursis. La France traditionnelle, celle des notables, et même son propre parti, le Parti radical, qu'il s'attachera un peu plus tard à rénover, sont un peu las d'un style inhabituel de réforme à la hussarde. 3 mois encore, et le bon monsieur Coty devra faire appel à un autre président du Conseil. Février 1955, Edgar Faure succède à Malaise France, qui a eu le pouvoir 7 mois et 17 jours et qui ne le retrouvera jamais. Passé à l'opposition en 1958, il est, pour les gouvernements du général de Gaulle, un censeur vigoureux et rigoureux dont les discours fortement charpentés sont toujours écoutés avec attention dans l'hémicycle. Nous souhaitons aussi que l'État pratique enfin une véritable politique des revenus. Pas n'importe quelle politique des revenus, pas une politique des revenus exclusivement limitée aux salaires, voire dirigée contre les salaires, mais une politique qui, par une plus grande honnêteté fiscale,
par une action équilibrée sur les prix, prix agricoles, prix du secteur nationalisé, prix de base contrôlés, par la maîtrise de secteurs aujourd'hui abandonnés à la spéculation, stimulera la production, régularisera les flux économiques, stabilisera mieux la conjoncture et assurera une répartition plus juste des fruits du travail commun. En mai 68, on reparle de lui. Les foules qui déferlent dans les rues de Paris semblent à un moment devoir le tirer de sa demi-retraite. Les étudiants sont trop jeunes pour se souvenir de Dien Bien Phu, mais son nom à gauche est important. Au stade Charletti, on ne le voit guère, on ne l'entend pas, mais on l'acclame. Aujourd'hui, que la violence serait une arme efficace. Le lendemain, François Mitterrand propose que Pierre Mendès-France prenne la tête d'un gouvernement provisoire tout en posant sa propre candidature à l'Élysée. C'est le même combat, je suis candidat. Aux élections présidentielles de 1969, Pierre Mendès-France fera équipe avec Gaston Defferre. Son meeting à Grenoble soulève la passion de la salle. Vous avez, depuis 10 ans, dans ce pays, ralenti l'industrialisation par rapport à nos voisins. Vous avez avantagé les catégories déjà les plus avantagées dans la nation. Vous avez mis la monnaie en danger. L'Allemagne, qui économiquement était derrière nous, nous a maintenant largement dépassé. Voilà votre bilan depuis 10 ans. Et il faut savoir... Et il faut savoir maintenant que le temps est venu de changer enfin d'orientation et de direction. Depuis lors, on l'avait moins vu, retiré, solitaire. Solitaire, oui, il le fut sa vie durant. Et pourtant, il a laissé dans notre vie politique sa marque. Une marque que l'accolade de François Mitterrand le 21 mai 1981 à l'Élysée a confirmée. Pour beaucoup, ce baiser a été un moment historique. C'est un moment historique parce que ce jour-là, depuis ce jour-là, un certain nombre de choses qui étaient interdites, qui étaient bloquées, qui étaient grippées, sont devenues possibles. Jean Lacouture, vous êtes journaliste, écrivain, vous avez écrit une biographie de Pierre Mendès-France qui fait autorité, puisqu'elle révèle vraiment une connaissance intime de l'homme et de son époque. Comment expliquez-vous la place singulière de Pierre Mendès-France dans le paysage politique français ? Je dirais peut-être d'abord par une sorte de paradoxe, par sa solitude. Je pense que les Français ont le goût des personnalités extrêmement indépendantes et à part. Et le fait que Mendès-France ait été celui que le général de Gaulle a appelé celui qu'on ne peut pas atteler, celui qui agit par lui-même, a été un élément du respect qui l'a entouré. C'est cet esprit d'indépendance ombrageuse qui a fait une partie de sa notoriété et du respect qui l'entourait. Je dirais aussi qu'il y a ceci que tous ceux qui ont rencontré Mendès-France, qui l'ont écouté à la radio, à la télévision ou ailleurs, ont toujours été impressionnés par l'impression de sincérité, de conviction qui se dégageait de lui. Il y a beaucoup d'honnêtes gens dans la vie publique, il n'était pas le seul, certes, mais rarement quelqu'un donnait l'impression d'aussi fort de croire à ce qu'il disait, et d'autre part, d'être bien décidé à faire suivre ce qu'il disait d'actes. Et Mendès-France, quand il est venu au pouvoir, est apparu aux yeux des Français comme l'homme qui, détenteur d'un pouvoir, s'en servait. Que c'était un homme qui était venu pour gouverner, pour agir, non pas pour attendre, non pas pour faire des compromis, mais pour trancher dans le vif et prendre des décisions. Et ça, le peuple, je crois, aime à être gouverné quand il a choisi ceux qui le gouvernent. Et aussi pour leur faire boire du lait, parce qu'il faut bien dire, même si c'est devenu une anecdote, que Pierre Mendès-France restera pour beaucoup de Français l'homme qui a essayé de leur faire boire du lait.
C'est vrai, on ne reste pas toujours par les plus grands côtés de ce que l'on fait, encore qu'il n'y ait eu rien, certes, de méprisable, à souhaiter diminuer la consommation d'alcool des Français, qui est probablement un des objectifs de gouvernement permanent et respectable des bons gouvernements, mais aussi, en effet, d'inciter les enfants des écoles à boire du lait, leur donner les facilités de le faire, au surplus, par là même, aider les producteurs de lait, faire remonter les cours du lait pour une paysannerie qui en a bien besoin. Tout cela était des objectifs tout à fait convenables et que Mendès ne négligeait pas, certes. Mais à partir du moment où Mendès est entré dans l'opposition, un peu comme en religion, c'est-à-dire à partir de 1956 à peu près, il ne s'est que très rarement engagé dans la politique française. Et quand il l'a fait, ce n'était pas toujours avec beaucoup de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a eu le faux pas de la tentative présidentielle de 1969 dont Mortely parlait tout à l'heure, c'est vrai. Mais à part ça, la tentative de résurrection du Parti radical, d'un Parti radical digne de ce nom, était une entreprise fort louable et il a échoué parce que les dirigeants principaux et anciens du parti l'ont empêché de réussir. Qu'ensuite il ait tenté de dégager un socialisme à la française, un socialisme moderne dans le livre La République moderne notamment, ou par des colloques comme à Grenoble, qu'ensuite il ait tenté de dégager les conditions d'une nouvelle éducation nationale, notamment au colloque de Caen, qu'ensuite il ait tenté en mai 1978 d'être celui qui, non pas parler, mais essayer de comprendre, d'être à l'écoute de la jeunesse, tout cela me paraît parfaitement honorable, puisque la coalition des partis et des anciens dirigeants le tenait à l'écart du pouvoir, eh bien il a cherché par la pensée, par la recherche, l'action, l'écoute, de comprendre mieux son temps et d'être mieux à même de lui servir la vie publique. D'autant plus qu'à l'époque, il participait activement au PSU. Il a participé au PSU, en effet, de 1966 à quelques années plus tard, on ne sait pas exactement le moment où il a quitté le PSU, un peu après les quelques violences de 68 qu'il a condamnées, car s'il est allé au stade Charletti, comme on le rappelle souvent, c'est parce que cette réunion était pour une fois une réunion légale, acceptée par le gouvernement, où d'ailleurs il ne s'est pas jugé en mesure de prendre la parole, il pensait que c'était aux jeunes de parler et pas à lui, mais où il a voulu être présent pour témoigner que les hommes de sa génération étaient aussi des hommes qui cherchaient à comprendre ce qui se préparait dans une génération plus jeune. En tout cas, ce soir, le monde politique et syndical français tout entier exprime son affliction. À l'Assemblée nationale, Pierre Bérégovoy, le ministre des Affaires sociales et lui-même ancien collaborateur de Pierre Mendès France, lui a rendu hommage au nom du gouvernement, tandis que les députés observaient d'abord une minute de silence. Jean-Louis Le Seul. Je vous invite, mes chers collègues, à observer en signe de deuil une minute de silence. Le gouvernement s'incline devant la mémoire du président Pierre Mendès France et je ressens personnellement, douloureusement, la disparition de celui qui m'avait accordé son affection et auquel je vouais fidélité et admiration. J'ai déjà dit qu'il s'agissait de la disparition d'un homme d'État important, avec lequel nous avions eu parfois des divergences, mais aussi des convergences. Je pense par exemple à la période de la paix en Indochine, pour laquelle nous avions lutté sans cesse, qui avait été obtenue sous sa présidence. Avoir été mendésiste dans la mesure où il a été certainement de tous les hommes de gouvernement de la 4ème République celui qui le plus a senti la nécessité de rebâtir les institutions. Il n'y est pas parvenu, il a même été, je crois, la victime la plus éclatante du système des partis. Mais il a indiscutablement senti cette nécessité. Vous savez qu'il a fait des propositions, elles ne correspondent pas à ce qu'ont été ensuite les institutions de la 5e République, mais c'était une idée qui avait au moins le mérite de trancher avec l'instabilité qui était celle de la 4e République. De tous les hommages qui s'expriment ce soir de la gauche à la droite, deux exemples, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre et l'ancien Premier ministre Raymond Barre. C'était un homme absolument exceptionnel. Je l'ai effectivement connu pendant la guerre à Londres, alors que j'étais en mission entre deux lunes et qu'il était en escadrille comme commandant de bord d'avions qui bombardaient l'Allemagne. Il avait tout. L'intelligence, la compétence,
le courage, et c'était un orateur remarquable. Il a marqué une époque. En 1944, au lendemain de la libération, il avait proposé au général de Gaulle une politique économique et financière qui aurait pu contribuer à sortir la France de la guerre et des ruines. Elle n'a pas été acceptée. C'est un homme de choix. Il a choisi, il a démissionné. Qui peut oublier le rôle salutaire et décisif qu'il a joué pendant la période, hélas trop courte, où il dirigea le gouvernement de la France. Son éloignement de la scène politique au cours de ces dernières années n'affecta en rien son autorité morale, ni l'audience nationale et internationale que lui valaient ses vues pénétrantes sur les réalités de la France et du monde, et son sens aigu des transformations de nos sociétés. Pendant toute sa vie, le président Malès France aura servi avec noblesse la République et l'État. Si l'action politique du président Malès France fut dominée en son temps par l'affaire indochinoise et par les problèmes économiques, il faut dire aussi, Jean Lacouture, que très vite, à l'étranger, il acquit une stature d'homme d'État. Oui, on peut dire que, aux yeux des Américains, par exemple, il y a eu trois Français contemporains qui dominaient leur temps, De Gaulle, Jean Monnet et Pierre Mendès France. Il avait acquis l'admiration des Américains et même d'un homme comme Foster Dulles qui ne pensait pas vraiment comme lui, notamment sur l'Indochine. Et Dulles parlait de lui comme d'un Superman, ce qui n'était pas du goût de Mendès France, qui ne se prenait pas du tout pour un Superman, mais pour un homme comme les autres, peut-être plus attaché que d'autres au bien public. Alors le drame du Proche-Orient fut jusqu'au bout l'objet de l'attention douloureuse d'un homme qui, en tant que juif et en tant que français, a voulu jusqu'au bout aider à la paix. C'est ainsi qu'en juillet dernier, en pleine intervention israélienne au Liban, il avait appelé à la négociation entre Israël et l'OLP, cette déclaration signée aussi par deux personnalités du Congrès juif mondial avait provoqué quelques émois dans la communauté juive. De toutes les capitales étrangères, c'est à Jérusalem que sa disparition ce soir provoque le plus d'émotion, comme l'exprime le chef de l'opposition travailliste, Shimon Peres. France était un géant à l'échelle mondiale, un homme extraordinaire par son honnêteté absolue, par son courage politique, par son braveté militaire, par son conscience sociale très unique. Il offrira un message pour nous tous. Je le considère comme un entre les dix plus grands hommes de notre époque. L'histoire de son famille qui commence à Portugal comme un mourant jusqu'à son dernier jour, c'est une histoire de vie juive. Son biographie, c'est une biographie exemplaire pour chaque personne qui veut chercher l'humanité, son pays et nous tous. L'un des fidèles de Pierre Mendès France, l'un de ceux qui a longtemps travaillé à ses côtés et qui jusqu'à ses derniers jours encore s'entretenait avec lui, l'avocat Georges Kiegeman raconte à Martine Chaussin son dernier entretien. Bien des gens vont aujourd'hui parler de la grandeur des choix politiques qu'il a pu exercer. Moi, je voudrais insister sur un aspect mal connu de lui et qui était que c'était un homme extrêmement tendre, extrêmement généreux, extrêmement attentif à ses amis. Ça n'est pas de l'anecdote que de le dire, parce que je pense que cette faculté d'attention qu'il avait lorsqu'il avait à trancher de la solution d'un grand problème politique lui venait de cette faculté d'écoute exceptionnelle qu'il pouvait avoir à l'égard de n'importe qui, un membre de sa famille, un enfant, un ami, rien ne le laissait indifférent, et ça je crois que c'était la réconciliation de la politique et de la générosité. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, pour la dernière fois, c'était quand ?
Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours, mais je lui ai parlé à propos des événements du Moyen-Orient. Et pour vous citer encore une fois un exemple qui dépasse l'anecdote, je me suis entretenu avec lui du problème, du choc, disons, pas du problème, que posait la nouvelle sur les camps de Sabra et de Shatila. Et il m'a répondu par quelques réflexions politiques. Et comme j'étais en fait assez désarçonné par cette approche des choses, il a pressenti qu'au fond je n'avais pas reçu ce besoin de secours affectif que j'attendais de lui. Et à 8 heures du soir, 6 heures plus tard, il a pris la peine de me rappeler uniquement parce qu'il sentait qu'un ami était dans le désarroi moral. Il ne remplissait pas une mission politique, il n'écrivait pas un article de journal. Simplement, il aidait un ami sur un problème important pour cet ami. Justement, Jean Lacouture, Georges Kejman vient d'y faire allusion. Parlons un peu de la chaleur, de l'humour et aussi du charme de Pierre Mendès-France. Oui, le mot, je pense, n'est pas déplacé aujourd'hui. Je pense que Mendès-France a émané une très grande humanité. On pouvait sentir en lui non seulement cette sincérité dont je parlais tout à l'heure, cette conviction, mais aussi une sensibilité à fleur de peau. C'était un homme extrêmement sensible, je dirais même un homme fragile. Et les haines dont il a été l'objet, les insultes dont il a été abreuvé, lui étaient extraordinairement cruelles. Mais il savait les surmonter parce qu'il avait du courage et il avait, vous le dites, employez le mot, ce charme, cette séduction qui venait peut-être de la façon dont il savait écouter les autres et aussi d'une voix très belle que les Français ont bien connue au cours de ses fameuses allocutions radiodiffusantes. Il a été l'inventeur en France, qu'il avait d'ailleurs commencé sous le premier gouvernement du général de Gaulle en 1945, qu'il a reprise pendant son gouvernement en 1954 et qui étaient des modèles de clarté et de vulgarisation respectueuse de la pensée des autres. Ça, c'était Mendès-France, je crois, l'aptitude à comprendre les autres, à les écouter et à tenter de les convaincre. C'était un homme de conviction, de ses convictions à lui, et un homme qui voulait faire partager ses convictions. Alors, nombreux sont ceux qui, des anciens de l'hebdomadaire L'Express, à une bonne partie du personnel politique français, dont certains sont au pouvoir maintenant, pourraient encore et vont encore évoquer le personnage Mendès, mais en dernier hommage pour ce soir, écoutons comment lui-même faisait le bilan de son action en juin 81, quand il était l'invité de notre journal. Je crois que l'action d'un homme politique ne se juge pas uniquement par le fait qu'il a été pendant un certain nombre de mois à la tête du gouvernement ou aux responsabilités ministérielles. La vie d'un homme politique est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue. En fait, j'ai exercé mon activité politique pendant de nombreuses années, de dizaines d'années, même si je n'ai été effectivement à la tête du gouvernement que pendant un temps limité. Le reste du temps, ça a été un combat pour des convictions, pour des idées qui étaient les miennes, pour faire prévaloir, pour faire mûrir certaines certitudes que je ressentais profondément, pour persuader ceux qui m'écoutaient, certains qui me faisaient confiance, d'autres qui, très sincèrement, jugeaient autrement. Et le bilan d'une vie politique, ce n'est pas seulement le bilan d'une action au pouvoir. C'est, je crois, le bilan d'un très long combat qui dépasse très largement les limites la chronologie d'un gouvernement déterminé. En hommage à Pierre Mendès-France, Antenne 2 lui consacrera une émission spéciale jeudi prochain, jeudi à 20h35. L'émission sera animée par Joseph Pasteur. À l'Assemblée nationale, je vous le disais tout à l'heure, la séance de cet après-midi s'est donc ouverte sur un hommage à M. Mendès-France, hommage prononcé au nom du gouvernement par Pierre Bérégovoy. Le ministre des Affaires sociales défendait devant les députés son projet de réforme de la sécurité sociale, Jean-Louis Le Sen. Dans l'état actuel du projet de loi gouvernemental, le moins que l'on puisse dire, c'est que les députés socialistes accueillent le plan Bérégovoy du bout des lèvres. Principal point de désaccord, l'imposition des pré-retraités. Réponse du ministre, on peut trouver un terrain d'entente, à condition toutefois que l'équilibre du budget de la sécurité sociale soit respecté. Aujourd'hui perçoit 7 000 francs,
paye 2%, c'est-à-dire 140 francs. Un salarié qui gagne 7000 francs paye 700 francs. Voilà ce qui nous avait conduit à penser qu'un effort d'harmonisation devait être accompli. Seulement, nous ne nions pas du tout que le pré-retraité a pris sa retraite par anticipation. Alors, le Parlement propose des améliorations. Bref, il propose d'atténuer le coût de la mesure et nous en sommes d'accord, sous réserve, ainsi que je l'ai dit, qu'à une diminution des ressources corresponde soit une économie, soit une autre recette. Parce que c'est le devoir du gouvernement de garantir la sécurité sociale. L'UDF, comme le RPR, ne votera pas ce projet de loi. L'ancien ministre de la Santé pense d'ailleurs que les mesures envisagées ne serviront à rien. Le chantier s'est beaucoup dégradé en 15 mois. Le rythme des dépenses s'est accéléré de telle manière que les recettes prévues aujourd'hui, dont certaines d'ailleurs sont contestables, je pense aux pré-retraités, ne suffiront pas pour boucher les trous qui ont été creusés. Les communistes également ne sont pas très chauds. En plus du problème des pré-retraités, ils s'opposent au forfait hospitalier de 20 francs par jour. Ce que nous souhaitons, puisque nous avons des amendements, c'est que le gouvernement, et c'est ce que j'ai dit en terminant, eh bien, nous souhaitons que nous soyons entendus et compris. Alors ça peut aller, bien entendu, jusqu'à l'abstention. Le débat se poursuivra demain. On verra alors si le gouvernement et la majorité qu'il soutient ont réussi à accorder leur violon. En tout cas, ce soir, à l'Assemblée nationale, le rapporteur du projet, le socialiste Claude Évin, s'y emploie. Le chiffre du jour donne la mesure du chômage en France pour le mois de septembre. 2 039 700 demandeurs d'emploi en données corrigées des variations saisonnières, soit une diminution de 0,5% par rapport au mois d'août. En revanche, en données brutes, les chiffres accusent une progression de 8% par rapport au mois précédent. Le ministère de l'Emploi souligne avec satisfaction une décélération de la hausse du chômage, mais pour le CNPF, il n'y a pas de quoi crier victoire. À l'étranger, l'actualité ce soir, c'est d'abord le vibrant appel à la paix que le président du Liban, Amin Gemayel, vient de lancer à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour sa première visite à l'étranger, le président libanais a eu droit à un accueil chaleureux. Philippe Rochaud. Rarement un chef d'État a reçu un tel accueil à la tribune des Nations unies. Amin Gemayel était venu plaider la cause du Liban en demandant au monde de l'aider à restaurer la souveraineté nationale, à refaire son armée et à reconstruire le pays, ce qui coûtera plus de 10 milliards de dollars. La délégation israélienne n'a pas applaudi quand il a déclaré « Nous voulons vivre en paix sur notre terre, les Palestiniens doivent aussi vivre en paix et s'autodéterminer sur la terre de Palestine ». Pour Amin Gemayel, la paix au Liban est un préalable à la paix au Proche-Orient et les conditions de cette paix passent par le retrait des forces syriennes et israéliennes. Of all non-Lebanese forces from Lebanon. À Beyrouth, les membres de la commission d'enquête israélienne ont visité aujourd'hui les camps de Sabra et de Shatila. Élections municipales en Grèce, le premier test électoral depuis l'arrivée au pouvoir du parti socialiste de M. Papandréou. Si son parti réalise un meilleur score qu'aux municipales précédentes, il est cependant en recul par rapport aux législatives, un recul qui profite surtout au parti communiste grec pro-soviétique et accessoirement à l'opposition de droite. Un écrivain cubain qui a passé plus de la moitié de sa vie dans les prisons de Fidel Castro vient d'être libéré. Armando Valladares, 45 ans, l'un des quelques 300 prisonniers politiques qui, selon Amnesty International, sont détenus à Cuba. Armando Valladares arrivera à Paris avant le 30 octobre. C'est une démarche personnelle du président Mitterrand par l'entremise de son conseiller Régis Debray, qui était à La Havane la semaine dernière, qui a conduit à cette libération. C'est une affaire douloureuse puisqu'il s'agit d'enfants handicapés, peut-être mêlés à un circuit organisé de dépravation sexuelle. C'est aussi une affaire bien trouble. Les trois responsables du lieu de vie, le Coral, c'est le nom d'un centre pour handicapés près de Montpellier, les trois responsables ont été présentés cet après-midi au juge d'instruction à Paris. Ils ont été inculpés et écroués pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans et incitation de mineurs à la débauche.
Dans la région, les réactions sont celles de la stupéfaction, plus encore que de l'indignation, d'autant plus qu'aucun parent n'a porté plainte. Henriette Chardac. Ce qui paraît certain, c'est que M. Criff un jour a loué une voiture, aurait loué une voiture en donnant comme adresse. Si le Corral fait couler beaucoup d'encre, il ne délie pas les langues. Vraie ou fausse accusation, la presse s'interroge. Sur place au Corral, on suit l'affaire dans l'abattement le plus total. Tout ce travail qu'on a fait avec les enfants, et on a l'impression qu'il est réduit maintenant à rien du tout, que ça va être très difficile de pouvoir refaire quelque chose, puisque avec toute cette presse à scandale, bon, on est quand même sali, éclaboussé. On ne comprend pas du tout ce qui a pu se passer et pourquoi on est mêlé à ça, quoi. Les ragots, les rumeurs, les lourdes accusations ne semblent pas ébranler les parents qui avaient confié leurs enfants à Claude Cigala et son équipe. Je lui ai fait confiance et je continue à lui faire confiance puisque je suis encore ici. Et puis je serai longtemps à côté de lui. Mon fils est venu en week-end chez nous, je le ramène aujourd'hui et il restera là. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour les avocats, les calomnies ne seraient fondées sur rien. Il s'interroge sur la personnalité du mystérieux Monsieur K, dont les révélations ont provoqué cette cascade de gros titres. Parmi les personnages et autres personnalités qui seraient mêlées à l'affaire, on cite le nom d'un membre du cabinet du secrétaire d'État, Madame Dufoy. Dans une conférence de presse aujourd'hui, Madame Dufoy estime qu'il s'agit là d'une rumeur absurde. Cela dit, Marcel Trias, où en est exactement l'enquête dans cette bizarre affaire ? Ce qui est sûr, c'est que le système juridique déclenché le 6 octobre par le juge d'instruction Salzman semble devoir poursuivre son cheminement logique. Le juge Salzman, on le sait, qui est un peu spécialisé dans les affaires de pédophilie comme celle de Saint-Ouen et qui est récente. Les trois personnes, vous l'avez dit, qui avaient fait l'objet d'un mandat d'amener, le directeur du choral Claude Cigala, le docteur Alain Schiapello et l'éducateur Jean-Noël Bardi, viennent d'être inculpés et incarcérés. Sur la base de quels éléments, de quels témoignages, de quelles preuves, la question se pose toujours. Aucune plainte de parents d'enfants, des témoignages de soutien à cette expérience originale d'aide à des jeunes en difficulté sans médicalisation qui se multiplient. Alors il faut revenir au début de l'affaire. Tout a commencé par les dénonciations de Jean-Claude Krief qui avait séjourné quelque temps au Corral. Or ce jeune homme a lui-même été inculpé en mars 82 à Clermont-Ferrand pour escroquerie. Les accusations de ce personnage un peu trouble étaient tellement graves et les personnalités mises en cause tellement importantes que le juge a voulu crever l'abcès et faire toute la lumière. On parlait en effet d'un membre du cabinet de Georgina Dufoy, qui a démenti ce soir, mais aussi d'un ministre. Pour achever de compliquer les choses, on apprenait que le frère de Jean-Claude Krief, Michel, tentait de monnayer auprès des journaux un procès-verbal de police accusant ces deux personnalités. On sait maintenant qu'il s'agissait d'un faux et on se pose des questions sur sa provenance. Que les faits reprochés aux trois inculpés se confirment ou pas, il est possible qu'on ait voulu, à travers cette affaire, porter atteinte à une expérience qui dérange. Étant donné l'ampleur et la virulence des commentaires, on ne peut exclure tout à fait aussi la possibilité d'arrière-pensée politique. Au moins trois morts, un blessé grave et le bilan pourrait encore s'alourdir. À Metz, au port céréalier, un silo à grains a explosé cet après-midi. François Cornet. 10 ouvriers sont encore ce soir ensevelis sous les 11 000 tonnes d'orge contenues dans ce silo. L'explosion s'est produite vers 14h30. 5 cellules de l'édifice de 70 mètres de hauteur ont été détruites. Gendarmes, pompiers, militaires du génie, chiens d'avalanche ont participé aux recherches, mais 6 heures après cet accident, les sauveteurs n'ont retrouvé aucun survivant. On s'interroge bien sûr sur l'origine de cette explosion. Aucun gaz n'alimentait, semble-t-il, le silo à grains qui était équipé uniquement de câbles électriques. L'hypothèse de la fermentation de l'orge est rejetée par le directeur de la malterie de Moselle. Les experts, quant à eux, n'ont fait pour l'instant aucune déclaration. Cette explosion d'un silo est la 6e de ce genre qui se produit dans le monde depuis 5 ans, tuant aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et en France 79 ouvriers. La communauté juive française en deuil. Le baron Alain de Rothschild est mort brutalement hier à New York d'une crise cardiaque. Âgé de 72 ans, il présidait le conseil représentatif des institutions juives de France. Longtemps à la tête du consistoire central, il avait notamment œuvré à la réintégration des juifs d'Afrique du Nord et au développement de l'instruction religieuse juive. Toutes les organisations juives françaises, l'ambassadeur d'Israël en France, le maire de Paris, entre autres, lui rendent hommage.
Autre disparition, celle d'un héros de la Seconde Guerre mondiale, le héros de Narvik, le général Antoine Bétoire, vient de mourir à l'âge de 93 ans. Madame Truman vient de mourir aux États-Unis. La veuve du président américain Harry Truman avait 97 ans. Puisque l'actualité ce soir se drape de crêpe noire, signalons encore que l'état de santé de l'écrivain Louis Aragon, 85 ans, s'est brusquement aggravé ces derniers jours. Il fait l'objet de soins médicaux intensifs. Un mot des soirs, ou plutôt des lauriers, avec l'attribution du prix Nobel de chimie qui va à un professeur britannique, Klug, et le prix Nobel de physique attribué à un Américain, Alain Gillot-Pétré. Je ne vais pas vous demander d'expliquer leurs travaux, mais parlez-le plutôt du temps demain. Bien écoutez, le temps demain sera surtout caractérisé par une très grande douceur, une douceur tout à fait automnale. Regardez la photo satellite, c'est très simple à comprendre. En effet, cette grosse masse de nuages sera sur l'est du pays, donc c'est l'humidité, donc c'est doux. Et ici, vous voyez, ça se découvrait sur l'ouest, donc il y aura du soleil. La carte pour demain en détail, sur la moitié est et sud-est du pays, beaucoup, beaucoup de nuages avec de la pluie et localement des orages, pluie abondante surtout sur les versants sud des reliefs, du relief. Sur la grande moitié nord-ouest, des brouillards le matin, bassin aquitain, bassin parisien, et l'après-midi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux. En fin de journée, arrivée sur les côtes de l'Atlantique d'une nouvelle perturbation accompagnée de pluie. Pour la fin de la journée, les températures, sans grand commentaire, très très douces, 15 degrés minimum, 20 degrés maximum à Toulouse, cela fait une moyenne nationale de 16 degrés. Demain, c'est le mardi 19 octobre, 4 minutes de soleil en moins, levé 7h18, couché 17h53, et c'est la Saint-René. À 23h15, Jacques Merlineau vous présentera notre dernier journal. Demain, antenne de midi, Daniel Bilalian. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée.